Bon les filles, je vous reviens avec mes derniers hauls, make-up, soins, etc. Donc je me suis pris en fait chez Leclerc, le kit d'ensorcellement Garancia, parce que je n'ai pas de routine trop de soins. Et c'est vrai qu'à part le soir, le combo L'Oréal que j'ai, j'avais pas vraiment de routine. Donc ça m'a coûté 7,61 €. Et à l'intérieur, il y a une crème nettoyante et démaquillante. Il y a une petite serviette pour s'éponger. Il y a une crème d'eau actif hydratant 24 heures anti-âge bonne mine. Ça, je pense que ça doit être pour le jour, quoi. Il y a un anti-peau de croco, donc 3 en 1 nourri hydrate 24 heures, gomme sans grain et lisse anti-relâchement corps. Ouais, donc corps, quoi. C'est pour le corps, mais moi je l'utiliserai certainement pour le visage et le cou. Et ensuite, il y a la mille et une nuits crème métamorphosante, bienfaisante, anti-âge. Voilà, c'est pour... parce que je suis vieille. Parce que j'ai eu 30 ans. Et maintenant, faut que je fasse attention parce que je suis trop vieille. Alors, j'ai acheté ça. Donc, ils disent l'alchimie botanique du futur. Bon, on verra bien. Hein. De toute façon, je ne l'ai pas payé très très cher. Je voulais pas prendre les gros formats parce que je voulais vraiment tester. Donc, c'est tout pour ce petit kit. Et puis, je trouvais la pochette sympa. Donc, je pourrais la réutiliser. Elle est pas moche. Donc, ça va. Je ne l'ai pas payé très cher. Donc, ça va. Ensuite, en ce moment, chez Carrefour, attention, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour une crème Magnifica ou un soin acheté dans la gamme Sanoflore, vous avez... ça offert. Donc c'est un 50 ml de l'Aqua Magnifica Essence Botanique Perfectrice de peau. Et donc je voulais les tester de toute façon. Ça faisait un moment que ça me faisait de l'œil. Et vu que j'ai pris aussi la gelée pour le nettoyage, ben, j'ai eu un deuxième. Et en fait les bouteilles en plein millilitre, elles sont à 200 ml. Donc là, je me dis que 2 x 50, ça fait 100. Donc c'est déjà pas mal. Et si ça me plaît, effectivement, je rachèterai le gros format. Et en plus, chez Carrefour, c'est toute la gamme Sanoflore, elle était à moins 20%. Donc connaissant le prix de Sanoflore, ça faisait longtemps que je tournais autour. Hein. Franchement, je m'étais rendue en para et j'avais vu les prix. J'ai dit, c'est chiant, c'est cher. Et en fait, au final, moins 20%, j'ai craqué dessus. Craqué complètement. J'ai pas mon ticket de caisse. Alors, je vous mets juste là les prix, si je peux, ou là. Ouais, là. Ouais, là, ce sera bien. Donc, voilà, je vous mets les prix. Mais franchement, avec moins 20%, c'était une aubaine, quoi, parce que... Et c'est les seuls, en fait, ici, j'ai eu des échantillons, en plus, de Sanoflore, parce qu'il y avait, pour l'achat d'une crème de jour ou de nuit, dans l'élixir des reines, vous aviez... non, pas l'élixir des reines, mais dans la gamme des reines, je sais pas quoi, vous aviez l'élixir pendant une semaine offert. Donc, en fait, c'est les seuls chez Carrefour à avoir des échantillons Sanoflore, hein. Ailleurs, ils en ont pas. Sanoflore, ils sont radins. Donc, voilà. Donc, moi, en fait, le petit jeune, il était super sympa. Et du coup, je lui ai dit que, vu que c'était cher, que j'avais du mal à tester, que je m'étais lancée, bah, c'était moins cher. Donc, du coup, il a eu un peu pitié de ma mouille. Et il m'a donné le miel suprême, beau nutritif sublimateur et l'élixir des reines concentré. Pour le tester quand même. Mais bon, il m'a quand même précisé que c'était pas dans ma gamme de peau, puisque ma peau c'est mixte à grasse, qu'il me donnait juste les échantillons pour que je les teste, pour me faire mon idée, mais que ça correspondrait peut-être pas à mon type de peau. Donc effectivement, ce que je vous ai pas conseillé, c'est ça pour les problèmes acnéiques et les problèmes de peau grasse, puisque c'est justement la gamme à la menthe poivrée qui est censée rééquilibrer les peaux grasses, vous voyez. Donc là, en fait, du coup, j'ai le tonique, j'ai la gelée nettoyante et j'ai l'hydratant anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. Donc après, j'ai bien regardé hein, au niveau du contenu. Il n'y a pas de méthylisothiazolinone. Donc dans tous les cas, je vous ferai quand même une vidéo spéciale sur les dangers à éviter dans les produits de soins et ménagers. Parce que il faut que vous sachiez quand même... ce qu'il y a dans les produits qui vous donnent des allergies, etc., ou qui risquent, parce que
On ne naît pas allergique, on le devient. Donc plus vous allez être exposé en cocktail en fait, c'est-à-dire un petit peu les, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu de ci, un petit peu de ça, plus vous allez subir les cocktails de substances un peu allergisantes, et ben là ça va vous... C'est peut-être certainement pour ça que j'ai du psoriasis à l'heure actuelle. Donc maintenant je fais hyper attention. Donc je vous ferai une vidéo sur les dangers en fait des cosmétiques et ce qu'il faut surtout éviter. Voilà. Et puis écoute, j'ai envie de te dire, je suis quand même contente, je suis sortie de là, j'étais fin heureuse. Donc c'est tout. Et puis je suis retournée chez CAD Coiffure, là où j'avais eu toutes mes bonnes astuces pendant les soldes, pour me procurer des petites choses. Alors pareil, hein, je vous mets les prix là ou là. Peut-être là parce que là il va peut-être y avoir les swatchs quand même. Excusez-moi pour le bruit, voilà, je passe devant. Donc je me suis repris des éponges parce que la mienne est cracra, elle commence à pelucher et à perdre son élasticité. Donc je vais la virer et je vais en prendre des neuves. Ensuite j'ai pris le Beauty Blender donc de chez Peggy Sage. Je vais bien voir, je verrai. Je voulais pas commander sur internet pour un Beauty Blender, voilà, donc c'est tout. J'attendrai que Kiko en refasse un pour l'été, je pense. Je sais pas quand est-ce que Kiko en fera un. Parce que franchement, ils sont top. Où y dire. Qu'est-ce qu'il a, lui? Parce que en fait, celui de Kiko, tout le monde en parle en bien. Et c'était une série limitée, donc je verrai bien si je peux m'en reprocurer un aussi dans les prochains mois. Ensuite, j'ai pris le bleu pastel pailleté. Pareil, hein, c'était dans les promos, les godets, voilà. Et c'est un bleu avec des paillettes. Il est trop joli, il est trop beau. Donc voilà, je vous fais les swatchs là, de toute façon, hein, comme d'hab. Comme d'abounette. Le d'abounette. Ensuite, je me suis pris le Earthy Silk. Donc c'était un rose irisé. Mais alors par contre celui-ci je l'ai payé au prix c'est à 6 et quelques. Au prix magasin quoi. Parce que vraiment je l'ai swatché et je l'ai trouvé super joli. En fait il y a des micro paillettes argentées à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il a à pleurer lui? Ensuite je me suis pris le violet. Alors celui-là c'est le Purple Dance. Voilà. Et ça c'est un mat vraiment violet, impressionnant par sa couleur. Donc il était en promo, je l'ai acheté parce que voilà, je crois qu'il était à 60 centimes ou un truc comme ça. Donc voilà quoi. En général j'y vais quand même pour voir les fins de série parce que ça me fait plaisir. Franchement à ce prix là ça vaut le coup quoi. Ensuite je me suis pris alors de la même manière plein pot parce que je suis passée devant et il me plaisait bien. Excusez-moi, il y a Hugo derrière, mais son père est avec lui. Je sais pas ce qu'il lui fait, mais... Donc voilà, c'est un gloss pailleté. Super joli. Permettez, je reviens. Bon, alors nous revoilà. Parce que Hugo pleurait. Donc je le ramène avec nous pour finir la vidéo. Donc bah en fait chez CAD je me suis pris un rouge à lèvres qui était pas cher non plus hein, franchement. C'est le beige cachemire, le numéro 455. Voilà. Hein mon bébé. Et je vous montre, c'est vraiment un beige. Non ça se met pas la bouche. Donc voilà. Je vous montre un petit peu sur mon visage. Ça fait vraiment tirer sur le marron. C'est super joli. Et vous verrez le swatch ici. Ah c'est vrai mon amour. Mon petit cœur, tu pleurais toi. T'occupes pas de toi ton père. S'occupe pas de toi ton père. Et ensuite je me suis pris une poudre donc qui était en promo parce que la boîte était complètement dézinguée quoi en gros. Elle était normalement à 14 euros et quelques. C'est la poudre libre nacrée. C'est la teinte nacrée. Voilà. En plus, elle est neuve, quoi. Elle n'avait même pas été touchée ni rien du tout, quoi. Et je l'ai eu à... Je sais plus. 1,50, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois 1,50 ou 1,60. Donc, voilà. Bah, c'était tout pour mes butins en ce moment de ce que j'ai racheté.
J'espère que pour vous, il y aura eu des choses intéressantes et que du coup, vous allez pouvoir choisir acheter et quoi acheter et où acheter. Et nous, on fait des gros bisous. On vous dit la vie est belle en rose. Et à bientôt. Ciao. Oh mon chéri, oh mon chéri, oh mon amour, oh mon cœur, qu'est-ce qu'elle fait maman? Hein? Tu fais la vidéo avec maman? Ouais, tu fais? On va nettoyer un peu le nez. Oh oui, hein. Le nez c'est embêtant. Hein? Le nez c'est embêtant. Oui, mais c'est pas beau. Voilà. Aïe, yeah. T'es tout propre. Oh. Oh, dis donc. T'as ton téléphone, mais... Ouais, bah, je suis occupée. Ça rappellera. Oh, mon cœur. Tu montres à maman la tête que t'as? Attends. Oh, mon cœur, bah oui. Faut nettoyer les bébêtes. Montre.